Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Metronomia. Aujourd'hui, on va parler démagnétisation de montres. Vous le savez, nos montres, elles peuvent être victimes de magnétisme, surtout avec les écrans qui nous entourent, les écrans de téléphone portable, les écrans d'ordinateur portable. C'est pourquoi les magnétismes qui arrivent sur ces montres peuvent dérégler le mouvement et occasionner des avances ou des retards. Il peut être utile donc de procéder à une démagnétisation si vous avez un doute par rapport à un dysfonctionnement de votre montre. Donc je vais faire le test avec ma Seiko 5. Vous allez voir, elle est un peu magnétisée. Donc quand je la passe sur la boussole, vous voyez que l'aiguille, elle bouge. Voilà, c'est très très faible, mais elle bouge. Ça veut dire que la montre est magnétisée, donc elle ne fonctionnera pas correctement. Il pourrait y avoir quelques avances et quelques retards. Alors pour démagnétiser la montre, vous aurez besoin d'un démagnétiseur. Qui est ici. Voilà, ce démagnétiseur, je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Ça vient probablement de Chine. On voit les symboles. Hop. De toute façon, tout est fabriqué en Chine aujourd'hui. Et on va le brancher et on va procéder à la démagnétisation. J'ai branché le démagnétiseur. Je vais à présent donc appuyer sur le bouton qui se situe ici. La diode va s'allumer et ça va émettre des ondes qui vont permettre de démagnétiser la montre que je vais maintenir au-dessus pendant 2 secondes à peu près. Le temps, c'est vraiment très rapide, c'est le temps de démagnétiser la montre. C'est parti. Voilà, normalement, ça ne doit pas prendre plus de temps. On se retrouve pour voir si ça a bien fonctionné et si la montre est démagnétisée. Donc je vais passer la montre au-dessus de la boussole et vous voyez que là, l'aiguille ne bouge plus. Voilà, je l'avance de la boussole. On voit bien que l'aiguille de la boussole reste fixe. Donc là, la montre, elle est démagnétisée. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.